Notre société Maison Futée est spécialisée dans la construction de maisons individuelles. Nous réalisons environ 150 projets de construction par an sur toute la Lorraine. Nous sommes une vingtaine de salariés. Nous avons été sensibilisés à la prévention des risques professionnels par la visite d'un certain nombre de contrôleurs de sécurité de la CARSAT qui ont attiré notre attention sur toutes les difficultés auxquelles nous étions confrontés sur nos chantiers, aussi bien du point de vue de la maçonnerie que du second œuvre. Ceci nous a permis de revoir de manière globale notre façon de travailler et notre manière d'appréhender nos chantiers. L'action auprès de ce constructeur a commencé en 2017. Suite à des visites de chantier, on a fait le constat que des mesures de prévention sur ce type de chantier étaient insuffisantes. Donc on a organisé avec la CARSAT Nord-Est une grande réunion où on a invité tous les constructeurs de maisons individuelles de la région. Notre premier axe de travail était la prévention des risques de chute de hauteur. Le deuxième axe de travail a été la gestion des manutentions sur le chantier. L'accompagnement de la CARSAT a pris plusieurs formes. Il s'agit bien sûr de visites de contrôle sur nos chantiers qui ont mis en évidence certaines difficultés auxquelles nous étions confrontés. Ensuite, ce sont des réunions d'information, soit collectives, soit individuelles. Collectives parfois avec l'ensemble des constructeurs de notre secteur ou individuelles qui nous ont permis vraiment de progresser et d'avancer sur la mise en place de solutions concrètes. Le bilan de cette démarche de prévention me paraît tout à fait positif. D'abord, nous avons amélioré les conditions d'intervention de nos équipes sous-traitantes et amélioré la sécurité sur les chantiers. On est en sécurité, on se sent plus à l'aise quoi, quand on est en haut de la trémie et tout, exemple, qu'avant on n'avait pas tout ça. Ensuite, évidemment, il me semble que la qualité de l'exécution s'est améliorée également, puisque les postes de travail sont plus adaptés. Et enfin, effectivement, notre image de marque me paraît également en avoir profité. Le programme Risque Chute BTP Pro va nous permettre de continuer toutes nos actions pour la prévention des chutes, mais va également nous permettre d'aller avec ces entreprises sur d'autres thématiques comme la livraison des matériaux, les manutentions. Notre action de prévention ne s'arrête évidemment pas là. Nous allons continuer à mettre l'accent sur tous nos chantiers, sur la prévention des risques de chute de hauteur, sur l'amélioration des conditions de manutention et sur l'accessibilité de nos chantiers.